Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais changer un peu le format, te proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus amusant, disons, parce qu'on va faire un petit tour du côté du site Awards. Et donc Awards, si tu connais pas, c'est un site où on a énormément de sites web qui sont d'abord magnifiques, qui sont créés par des grosses agences. Et donc c'est une source d'inspiration vraiment infinie, car tous les mois il y a le site du mois, chaque jour il y a le site du jour, enfin c'est un truc vraiment de fou. C'est Award, donc ça s'écrit un peu bizarrement, il y a A puis 3W awards.com. Tu vas faire un petit tour, vraiment moi j'y vais régulièrement pour trouver des sources d'inspiration. Alors souvent ils vont très 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 loin, ce sont des super gros projets avec des grosses équipes dessus, donc toi tout seul tu vas peut-être pas pouvoir faire tout ce que eux proposent, mais en général il y a des petites choses comme ça, des petits éléments que tu vas pouvoir reprendre sur ton projet Webflow. Alors il faut savoir aussi ce qu'il y a aujourd'hui des agences 100% Webflow qui sont sur et qui sont nominées et qui ont été nominées sur Awards, donc c'est tout à fait possible. Le tout, c'est de mettre le nombre de ressources sur un projet, le nombre d'énergie suffisante sur un projet pour que ce soit vraiment magnifique et que tu sois nominé et puis que derrière tu gagnes éventuellement. Bref, c'est aujourd'hui un site que je vais te partager. Donc, c'est un collectif de web designers et donc il y a une agence derrière et tu vas pouvoir aussi envoyer ton projet web design sur ce site. Et donc en même temps, on va jouer, donc il joue sur la gamification, donc c'est le fait de jouer, donc game, c'est plutôt gamification, c'est le fait de jouer sur un site web, et qui dit jouer sur un site web dit que tu vas rester longtemps sur un site, donc quelque part c'est aussi super intéressant de jouer sur des détails et de jouer sur la curiosité des visiteurs, parce que ben, quand on est curieux, quand on s'amuse sur un site, on a tendance à rester, à chercher toutes les petites choses qui pourraient être sympas. Donc là aujourd'hui on va jouer le jeu, on va vraiment jouer l'expérience jusqu'au bout. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire, j'espère que ce format va te plaire. N'hésite pas à laisser ton avis dans les commentaires. Et puis voilà, sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti, on va plonger dans ce site Awards. Alors voilà, donc on se retrouve ici sur le site, donc voilà l'accueil. Et donc déjà, voilà, je passe ma souris, les couleurs changent. Donc ça, c'est un effet tout à fait réalisable sur Webflow. Donc jusque-là, tout va bien. Et puis on va cliquer et on va voir un peu ce qu'ils ont préparé pour nous. Alors déjà, ça va dans tous les sens, il y a de la musique, il y a des chouettes effets, des chouettes collages, c'est cool. Je joue sur la typo. Un peu old school, vintage. La queue est sympa. Waouh. Et voilà. Ok, on y est. Alors, ici, je vois à droite. Clic. Ah oui. Ça, c'est un effet plutôt récent. Enfin, en tout cas. Je sais que. Ah, ça bug. Non, ça va, ça tient. Ouais, il faut savoir que c'est que tous ces effets ne sont pas toujours compatibles, mais quand même, ici, le but du jeu, c'est que ce soit compatible. Donc là, c'est un bouton juste pour avoir ton écran. Enfin, le full, quoi. Plein écran. Et donc ici, on va faire un drag. Donc je dois prendre le cube et l'amener à droite. Donc ça, je sais aussi que c'est possible de le faire sur Webflow. Donc jusque-là aussi, ce sont tous des effets réalisables. Après, il y a la vidéo, mais t'imagines tout le travail de collage qu'il y a derrière. Mais donc jusque-là, on est OK. Donc je vais déployer ça. Hop. Et on se retrouve ici sur un menu. Alors là, je scroll. Donc on a vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Il y a des petits sons comme ça qui font que... Donc là, j'imagine c'est tous des projets. Donc si je clique dessus. Ok. Ok, donc là je vois un peu tout ce qui se passe. Ok. Donc là le scroll comme ça, c'est possible aussi sur Webflow. Entièrement possible. J'ai déjà vu quelques projets comme ça. Donc voilà, jusque-là. Tout est quand même possible. Donc de nouveau, c'est le nombre de temps que tu vas devoir investir là-dessus. Allons voir un peu cette partie ici.
Donc là, le but du jeu, en fait, c'est de récolter, donc d'aller voir, en fait, tous les designers, tous les projets qu'il y a sur ce grand canevas. C'est comme un espèce de grand tableau blanc sur lequel ils ont déposé comme ça des projets. Et donc le but du jeu, c'est de récolter les petits emojis, les petits dessins et de les collectionner. Donc si je clique, hop, il y en a combien? 1, 2, 3. Combien il y en a à prendre? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc il y en a 15 à trouver. Ben, allons-y, allons à la recherche de ces 15 petits dessins. Donc là, de nouveau, c'est quand même magnifique. On est vraiment sur une grande plateforme. Je rappelle que donc c'est pas du flash, hein. On est vraiment sur du code. Donc là, je pense pas que ce soit possible d'aller aussi loin dans Webflow, mais quoique ça reste quand même des effets plutôt réalistes et réalisables. Alors, voyons un peu. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'emojis. Hop, ah, le petit lama, il vient de faire un petit coucou. Ah, là j'en ai un autre. J'aime bien les effets de couleurs comme ça en étoile. Ah, une banane ici. Ça y est, ça commence. Donc c'est ça qui est cool, hein, c'est qu'ils ont vraiment joué sur le côté jeu. Et on a envie de collectionner tous ces petits dessins. Alors ici, qu'est-ce qu'on a encore? Un petit cornichon. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on aura comme récompense. Donc tu vois qu'on est vraiment dans un mode jeu, quoi. Je pense déjà à ma récompense. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ghostbuster. C'est vraiment cool, je trouve, de passer son temps comme ça sur un site, de s'amuser en fait. Et à droite, à gauche, là, pardon, il y a toujours, tu vois, la pub de l'agence, hein, parce que le but, c'est d'attirer les entreprises prêtes à investir dans des gros projets comme ça. Mais ça nous donne quand même beaucoup d'amusement, c'est quand même cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah voilà, ici, ça je sais pas qui c'est, je sais pas ce que c'est. Ouais. Peut-être que toi tu le sais, dis-moi dans les commentaires ce que c'est. Ça, je connais pas. J'ai reconnu quelques personnages, donc les années 80, Ghostbusters, ça c'est un peu ce que j'aime bien. Ici, le petit chien, qui vient sûrement aussi dans un dessin animé. Ah, il faut chercher, hein. Faut être patient, mais le but du jeu c'est de tous les trouver. Hop. Putain, les effets c'est quand même très fluide, j'aime beaucoup. Quelques designs sympas, hein, sinon je clique ici.
Regarde à chaque fois le lien vers le Behance. Non, c'est pas mal fait. Vraiment génial. J'adore. J'adore, j'adore. J'espère que toi aussi t'aimes bien ça. Hop. Alors. Par contre, là, je suis sorti du plein écran. Est-ce que je peux le remettre? J'ai pas l'impression qu'il y a le bouton. Alors, ici, je retourne sur mon canevas. Donc là, je commence à gauche. Ah voilà, ici, ça c'est pas mal. C'est que, en fait, le carré, c'est un guide. C'est comme une carte. Ça, je viens de remarquer. Donc ça, c'est bien. Au moins, tu peux mieux savoir où tu te retrouves. On se retrouve vraiment dans un jeu. Hop. Où tu scannes les moindres points. Hop. Ça, c'est un dessin animé Morty, je sais plus, Black Morty, chose comme ça. J'ai jamais regardé, donc je sais pas. Je sais qu'il y a des fans de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bourré d'effets, hein. Je suis impressionné par la fluidité de tout ça. En fait, c'est marrant parce que j'ai posté un post la semaine passée sur LinkedIn qui a plutôt bien marché. Et c'était justement le fait de, voilà, es-tu plutôt site pour les awards ou site pour les besoins? Et ouais, on est d'accord, c'est que les sites d'agence, c'est quand même magnifique. Après, les entreprises n'ont pas tous besoin de quelque chose d'aussi poussé, d'aussi animé. C'est plutôt pour mettre en avant des nouveautés, des nouvelles choses. Mais tu vois bien que le site Apple est comme ça très beau aussi, très bien fait. Et donc, il y a un intérêt à faire des beaux effets parce que les gens restent plus longtemps sur le site. Et c'est plus remarquable du coup aussi, tu vois. Donc, il y a un intérêt. Après, c'est vrai que voilà, tout le monde n'a pas besoin de ça. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le petit singe, le petit bonhomme, et là, ok. Ah ben, ils sont bien cachés. Ils sont bien cachés. Et donc ouais, l'idée c'est d'essayer de trouver un bon compromis entre les sites de Word ou les besoins. Donc les besoins c'est quel est le public, qui va acheter le service qu'on propose, qu'est-ce qu'on veut essayer d'attirer. Tout ça va jouer bien sûr dans la balance quand tu vas créer ton projet. Le tout, c'est de savoir qui est en face de toi et qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer. Ah, voilà, là j'ai le petit lama. Allez, il nous en manque encore deux. Alors, descendons. Tchouk tchouk. J'ai l'impression de scanner les moindres recoins, mais je trouve pas.
Ah, ici. Ok, je sens qu'on va arriver. On va trouver le dernier petit singe là. Dans quelques secondes. La musique est absolument pas dérangeante, hein, au contraire, elle est chouette. Donc tu vois que y a moyen de mettre la musique sur un site. C'est pas dérangeant. Après tu vois que le son est quand même doux. On n'est pas sur des musiques que tu pourras écouter à la radio ou quoi. Ça doit être du lounge ou c'est agréable. Ok, je scanne hein, les gars. Je scanne, je scanne, je scanne. Celle-là, on l'a déjà vu plusieurs fois. On descend. Encore un étage. Où se trouve mon petit singe? J'espère que tu l'as pas vu et que moi je l'ai pas vu parce que alors là ça doit te faire vraiment. Ça va vraiment être embêtant pour toi de me regarder chercher dans le vide. Alors. Il faut qu'on trouve. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de. Ah, tu me suis toujours? Alors. Eh bien, le dernier. C'est toujours le dernier le plus dur, hein? Mais on va le trouver. On va le trouver. Pas de raison qu'on ne trouve pas. On va scanner autrement. Où est-ce qu'il est, le petit singe? On va le trouver, hein. Ah! Yes! On l'a eu! On l'a eu, le petit singe! Allez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer?
Hop. Ah, j'ai un petit carré vert. Ok, next level ou quoi? On passe au deuxième niveau? Qu'est-ce qu'il veut dire ce petit carré? Qu'est-ce qu'il veut dire le petit carré? Rien? Rien. Mince. Bon. Ok. Je voulais voir encore c'est quoi ce petit lama là qui arrive chaque fois à gauche. Et il apparaît pas non plus tout le temps. Attends, on va chercher ce petit lama. Je t'avoue que je comprends pas pourquoi est-ce que petit lama il vient plus. Pourtant c'est quand j'allais comme ça. À gauche. Ah voilà, il est là. Oh. Ah oui, ok, c'est le clic, c'est pour aller voir l'agence. Ok. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as d'autres idées de sites que tu as vus sur Awards et que tu voudrais que je partage, n'hésite pas. On a décortiqué quelques effets. Donc, on a vu notamment le fait que donc le drag que tu peux glisser. Donc, ça, je sais que c'est possible sur Webflow. Il y a juste le côté Canva, le côté où tu parcours vraiment tout un espace que je pense pas avoir vu encore. Mais sinon, j'ai quand même vu pas mal d'effets qui étaient réalisables sur Webflow. Donc je pense qu'il est juste une question de temps, de travail, et puis aussi de trouver le client qui va vouloir bien faire un boulot comme ça. Ben voilà, j'espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous. Et puis sinon, on se voit demain pour une autre vidéo plutôt classique. Et des vidéos comme ça, je pense en faire de temps en temps. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Allez, ciao!